J'imagine que la garde royale est plus en faction. Ouais. En l'absence du maréchal, ils ne sont plus opérationnels. Oh. Je me demande bien ce qui se passe en ville. Nous devrions bientôt avoir des informations. Ouais, ils vont forcément en parler à la radio. Mais et nous, alors? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on rejoint Hammerhead. Et on décidera là-bas. J'ai eu un message de ma sœur. Elle va à l'Estaloum avec d'autres réfugiés. Bon, au moins Iris va bien. Ouais, mais tout le monde a peut-être pas eu cette chance. Allez, ne perdons pas de temps. Noct ne sera pas mort éternellement. Le long voyage qui t'attend. Et sans retour. Sans retour. On y va. Salut. Contente de vous voir. C'est pas un temps à sortir, je vous le dis. Merci bien. Où est Cor? Il est parti faire un truc. Après avoir longuement parlé à papy. Ah ouais? Ouais, le patron se ronge les sangs depuis qu'il a appris que vous veniez. L'Empire voulait s'emparer du cristal et de l'anneau du roi depuis le début. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte. Quand je pense qu'il s'est laissé berner. Des foutaises. Ton père était pas né de la dernière pluie, c'est moi qui te le dis. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres, et il était bien décidé à se battre. Malheureusement, il avait beau être préparé au pire, au final, ça n'a pas suffi à lui sauver la peau. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller voir Cor. Moi, j'ai assez parlé. J'ai pas vu Régis depuis des lustres, ça paraît tellement loin tout ça. Cor vous a laissé un message. Il a dit qu'il vous attendrait au tombeau royal. Vous devriez pas avoir de mal à le repérer. C'est au nord-ouest d'ici, pas loin d'un village. Essayez de le trouver d'abord. Ils doivent contrôler les allées et venues. À votre avis, comment c'est en ville? Je sais pas. Je préfère pas imaginer. T'inquiète, on y retournera bien un jour. Sans doute. La question est de savoir quand. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu le cristal. Ces salauds ont tout pris. Et on va tout reprendre. C'est très loin d'être fini.
C'est sans doute le village dont parlait Sid. Ça me fait penser à un repère de chasseurs. Ils peuvent peut-être nous donner des infos. De vous voir sain et sauf, Majesté. Monica, mais où sont les autres ? La plupart des soldats n'ont pas survécu. Nous n'avons pu qu'escorter Mademoiselle Iris hors d'Insomnia. Dustin se trouve auprès d'elle. Ils ne tarderont pas à rejoindre les Staloum. Je vois. Je vous remercie. Faites vite, le maréchal vous attend au tombeau royal. Aux quatre coins du royaume, les habitants déposent des bouquets de fleurs de cils de ténébraille. À Alticia, les rassemblements se multiplient. Il s'arrête jamais. D'abord Insomnia, ensuite Hammerhead, puis le tombeau royal. On aurait dû l'appeler Cor l'Infatigable. Eh, hey, mais c'est pas aussi accrocheur que Cor l'Immortel. Survivre à Insomnia a encore étoffé sa légende. Ouais, la chance lui sourit toujours. Mais, ah bon ? Il n'a pas besoin de chance. Tu m'étonnes. T'imagines quand même pas qu'il est sorti vivant de tous ces combats par hasard. Fais attention. Bon, quelle est la stratégie ? On fonce dans le tas. Je me contenterai de les contourner. Pourquoi Cor a choisi une curiosité morbide pour les anciens rois de Lucis. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est ici. Sacrément royal, ce tombeau. Entrons pour trouver le maréchal. Maréchal. Tu en as mis du temps, Noctis. Bon alors, qu'est-ce que je suis censé faire au juste ? Tu dois entrer en contact avec le roi défunt. C'est comme ça que le pouvoir se transmet. Cette épée est le vaisseau de son âme. Revendique son pouvoir. C'est ton devoir de roi. Mon devoir, mais mon devoir de roi de quoi ? Il serait temps que tu prennes conscience de ta position. En tant que roi, tu te dois de protéger ton peuple. Ah ouais ? T'aurais dû dire ça à mon père. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est protéger son propre fils. Noctis, jusqu'à quand joueras-tu au prince indolent ? Tu es le roi. Il t'a confié cette responsabilité. Il me l'a confié, tu dis ? Alors pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé ? Il souriait quand on s'est dit au revoir ! Pourquoi ? Pourquoi il m'a pas dit ce qui se passait ? Ce jour-là, ce n'est pas en tant que roi, mais en tant que père, qu'il voulait passer un dernier moment avec toi. Il avait la foi. Il croyait en toi. Le nouveau roi. Il savait qu'il pouvait te confier son peuple. Il m'a pas vraiment laissé le choix. Ce n'est que le début. Tu dois encore obtenir la force des autres rois.
Je te conseille de rejoindre l'autre tombeau royal qui est un peu plus loin. Les tombeaux royaux ne manquent pas par ici, mais ils sont dans des zones dangereuses. J'ai donc décidé de vous prêter main forte quelque temps. Pour vous assister, mais aussi pour voir votre valeur. À propos des pouvoirs, il y a combien d'armes royales ? Il y en avait 13 au total. Chacune d'elles décorait un tombeau. Et je ne connais l'emplacement que de quelques-unes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux chasseurs. Leur aide nous est précieuse pour localiser les tombeaux restants. Ah, d'accord. T'as dit qu'il y avait un tombeau dans les parages ? Oui, dans les tranchées de Dietrich. Le tombeau royal serait situé au cœur de la bataille. On a pour une minute. Bien. Elle est là encore, en comptant large. C'était pas mal du tout, Prompto. L'immortel en personne me félicite ? T'endors pas sur tes lauriers. C'est la prochaine bataille qui compte. Oui, oui, j'allais le dire. T'inquiète pas pour moi. Prompto, ça va ? Tout à fait. Je vais bien, Maréchal. Une armure Magitech ? Dangereux ? Il se trouve que ces modèles-là possèdent une force de frappe. La version courte, c'est dangereux. Maréchal, faut être sacrément balèze pour affronter ce truc, non ? Et tu penses être assez balèze pour t'en prendre à lui ? C'est ici que nos chemins se séparent. Prends cette clé. Elle te permettra d'accéder aux autres tombeaux. Trouve tous les tombeaux et récupère les pouvoirs qu'ils contiennent. Ils te seront utiles. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais surveiller l'Empire, afin d'essayer de comprendre ce qu'il nous réserve. Mais ne te soucie pas de moi, concentre-toi sur ta mission. C'est compris. Prends soin de toi. Allez, c'est parti. Fais gaffe quand même. Regardez ! Il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il semblerait que des gens y habitaient. Qui vivrait ici ? Ceux qui cherchaient à fuir la guerre, probablement. C'est pas bête. Tiens, c'est quoi ça ? Un câble ? Je me demande où il mène. Il suffit de le suivre pour le... Un générateur ? Oui, ça m'en a tout l'air. J'espère... Génial ! Ça marche ! Oh ! Et la lumière fut. Je suis content d'y voir plus clair. J'ai l'impression qu'on nous observe, et que si jamais on se retourne... Fais pas ta mauviette.
Évidemment, c'est fermé aussi. Ne fais pas de bile. On entre. Excusez-nous. Est-ce qu'il y a... Vous savez, peut-être que des gens sont morts ici. Et que leur âme en peine... C'était quoi ? Non, non, je veux pas savoir. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un joue... Hé, une seconde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je me prépare. Merde, elle est verrouillée. Qu'est-ce qui se passe encore ? C'est d'ici que ça vient ? Hé, ça alors ? Quoi ? Bah, c'était pas là, ça, tout à l'heure. On bouge. Oh. Il peut y avoir un truc planqué là. Ça m'aide. J'irai pas à ça. Ça va pas s'effondrer. J'en sais rien. Mais on est déjà venu là. Attention ! Il y en a un autre là. Note, t'assure ! Évidemment. On y va ! Oui. Ouais. Oh. Et encore une porte verrouillée ! On s'y attendait pas du tout. Je sais pas vous, mais moi ça me donne très envie de voir ce qu'elle renferme. Ouais, moi aussi. Attendez, c'est quoi ce bruit ? Je sens que c'est la bonne. Mais avec quoi derrière ? Restons sur nos gardes. Comme sur des roulettes.
Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Donc, il emprunte les pouvoirs de ses ancêtres. Plus ou moins. À ce rythme, il atteindra bientôt le niveau de son père. C'est le roi de l'occasion. Me cherche pas. J'étais à la recherche des pouvoirs. Ravi de l'entendre. J'ai une mission pour vous. On a découvert que l'Empire a commencé à installer une base dans la zone ouest de Duskae. Il est impératif d'empêcher sa construction. Si nous les laissons faire, la zone ouest sera perdue. Et tu ne pourras plus continuer à collecter les armes royales. Monica a tous les détails concernant cette base. Tu connais Monica, n'est-ce pas? Va lui parler de ma part. Du nouveau? Pas vraiment. Juste un truc de l'Empire à détruire. Monica devrait pouvoir nous en dire plus sur le sujet. Maintenant que tu le dis, j'ai vu un site en construction. Ce genre de base militaire sinistre, on les remarque de loin. Ça va pas être du gâteau de détruire une... Toutes ces lumières! On va pouvoir dormir tranquille! Ouais. C'est le meilleur moyen de garder les démons à distance. Le maréchal m'a informé de votre prochaine mission, Majesté. Nous avons découvert un point d'accès à la base impériale. Je vais l'indiquer sur votre carte. Cette zone est particulièrement calme. Vous devriez pouvoir entrer discrètement par là. Notre prochaine chasse.